Bonjour la famille, tout le monde va bien j'espère. Aujourd'hui on va parler encore d'une voiture que j'ai jamais essayée à la base, mais elle n'est pas du tout déplaisante. Aujourd'hui c'est le Ford Escape de 2017. Sur le modèle Escape de la marque Ford et c'est une marque américaine. Il faut savoir que la même voiture est vendue en Europe aussi sous le nom de Ford Kuga. Au début, ça m'a semblé un peu bizarre. Je me suis dit Ford Escape, Ford Kuga, c'est quoi ce truc-là? Mais à travers quelques recherches sur Internet, vous pouvez peut-être le confirmer. On verra qu'en Europe, il est vendu sous le nom Kuga et sur le continent américain, Escape. Sachant que c'est la même voiture, c'est juste rebadgé de différents en fonction des différents territoires. Ok, toujours sur le Ford Escape. Bon, déjà, d'abord, je vais vous faire profiter du paysage. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon, le temps n'est pas super fameux. On a la lagune de l'autre côté. Anyway, donc, pour revenir au fait, nous sommes sur le Ford Escape, modèle 2017. Et comme je disais, en Europe, il est appelé Kuga. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. En même temps, le véhicule, il est à vendre. J'espère que le temps j'aurai publié la vidéo, le véhicule sera toujours disponible au cas où c'est le numéro du propriétaire. Merci à lui de nous avoir prêté cette voiture-là. Il faut savoir que le Ford Escape est apparu dans les années 2000 et vendu depuis 2008 en Europe. Là, nous sommes sur la troisième génération, qui est apparu en 2016, si je ne dis pas n'importe quoi. Mais nous sommes sur une version de 2017. Là, nous sommes sur une version restylée, toujours de la troisième génération qui est apparue en 2016, cette version restylée-là. Et au programme de cette nouvelle version restylée, on a de nouvelles connectivités, du grand écran, enfin, normalement un écran tactile, mais pas sur toutes les versions. Je constate que sur celle-là, l'écran n'est pas tactile, des phares LED, des feux arrière en diode, d'après ce qu'ils ont dit, à l'avant des phares LED, d'après ce qu'ils ont dit encore une fois. Et je trouve que cette calandre lui donne une certaine personnalité, vous trouvez pas? Pour venir aux dimensions extérieures, nous avons une longueur de 4,50 m, c'est assez long quand même, je trouve. Une largeur de 1,80 m environ et un poids de 1 tonne 5, 1 tonne 6. Ok, là nous avons le petit moteur 1 litre 5 EcoBoost de Ford de 179 chevaux. Je m'attendais pas à ça. 1 litre 5 de 179 chevaux. À notre époque, 1 litre 5, on était à 100 chevaux, je pense. Et il faut savoir que il existe aussi en 2 litres, 2 litres de près de 180 chevaux. J'imagine la puissance. Je trouve dommage, il n'y a pas de haillon. Ça, je suppose que c'est pour des soucis d'économie, mais bon. Moi, j'ai une Mercedes des années 2000 et j'ai des haillons. Désolé de le dire, mais moi, ça me fait chier cette tige-là. Mais bon, je suppose que c'est pour des soucis d'économie. Et Ford, je ne sais pas à quoi vous avez pensé, ce truc-là. Logiquement, quand j'ai vu au début, je me suis dit, ah tiens, des prises d'air. Mais bon, apparemment, comme on le constate, c'est fermé, c'est plein. Aucune prise d'air. De toute façon, ce n'est pas une sportive, donc faut pas s'attendre à grand-chose. Par contre, pour ma part, j'aurais bien aimé avoir des clignotants sur les rétroviseurs. Mais bon, il n'y en a pas sur ce modèle, c'est bien dommage. Nous sommes sur des jantes de 17 pouces. Pas mal pour le gabarit de cette voiture-là. Et petit point fort sur cette voiture, pour ma part, encore une fois, le volume de son coffre. Attendez, j'ai oublié de déverrouiller. Un instant. Oh, il faut toujours déverrouiller deux fois. Le coffre, il est assez grand. Je ne sais plus combien de litres. Les coffres sont mesurés en litres, hein, donc. Mais je pense que la personne qui achète ce genre de voiture, c'est surtout pour ses dimensions et son coffre.
Et ce que j'apprécie encore, je vais vous montrer un peu. Imaginez cette dimension-là lorsque tous les sièges sont rabattus. Regardez un peu ce volume du coffre là. C'est comme je le disais, je pense que celui ou celle qui achète ce genre de voiture là, c'est surtout pour ça. Comme on le constate, le coffre il est vraiment grand, il est grand. Tu as de l'espace et c'est un gros point fort de cette voiture. Cependant, ce que j'ai déjà remarqué, je n'apprécie pas. Tu as tes valises, je n'ai pas de valise malheureusement, je propose une bouteille d'eau. Tu as tes valises, tu les soulèves déjà, elle est un peu haute là, donc tu te débrouilles, il faut avoir un peu de force. Hein. Tu poses ta valise, supposons que tu en as plusieurs. Il va falloir, comme par habitude, on est obligé de les pousser jusqu'au fond. Mais à un moment, tu ne pourras pas pousser tes valises jusqu'au bout parce que ça te bloque. Donc arrivé là encore, tu seras obligé de soulever les valises et bouger encore jusqu'au bout. J'aurais espéré que les sièges à l'arrière soient vraiment au même niveau que le plancher du coffre pour qu'on n'ait pas à faire encore ces efforts en plus là. Mais bon, j'espère qu'ils vont corriger cela sur les prochains modèles. J'ai pas encore vu le Ford Escape de 2020 ou 2022. Je suppose que s'ils écoutent ça, corriger cela. On a une petite prise de 12 volts là. Au cas où il y a des gens qui ont des petits réfrigérateurs qui aiment bien les poser dans le coffre quand ils voyagent, ils vont en camping et tout, ça c'est un avantage de cette voiture-là. C'est une version SE, il faut savoir qu'il y a différentes versions sur tout ce qui est Ford Escape. On a d'abord le basique qui est le S, ensuite le SE, ensuite le SEL et enfin le titanium. Sur le titanium, là tu as le top des top, des top en matière d'options. Toit ouvrant, tout ce qu'il y a comme système électronique. Mais je pense que déjà à travers le SE ou le SEL, on est déjà pas mal. Là déjà j'ai le régulateur de vitesse. Régulateur, ouais, c'est ça, régulateur de vitesse. Et vous l'avez constaté, on est en boîte auto. Mais c'est vraiment pas mal déjà. Mais le S, là, c'est n'importe quoi. Au niveau des sièges à l'avant, le siège conducteur, il est électrique, mais le passager, par contre, n'est pas électrique. Donc là, si je veux reculer le siège, je n'ai qu'à procéder avec cette manivelle-là pour reculer et avancer le siège. Par contre, côté siège conducteur, on a les sièges électriques ici. C'est un peu lent, hein, c'est l'inconvénient du siège électrique. Voilà. Siège électrique conducteur et passager non électrique. Et je ne sais pas trop pourquoi ce véhicule-là ne marche pas trop ici, mais je trouve qu'il a quand même de belles lignes. Belles lignes. Savoir qu'il a pour concurrent tout ce qui est RAV4, CR-V, Peugeot 3008. Mais bon, peut-être que nous sommes plus habitués au Peugeot. Et en plus, à l'arrière, franchement, je ne sais pas si c'est juste un effet de mode. Pourquoi est-ce que vous mettez une double sortie d'échappement alors qu'on est sur un petit moteur? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, j'apprécie quand même j'apprécie quand même ces petits feux réfléchis au niveau des pare-chocs là. Je suppose qu'ils font office d'anti-brouillard en même temps. Ah non, mais franchement, cette double sortie d'échappement là me fatigue un peu. 1,5 L pour avoir double sortie d'échappement, ça sert à quoi? Là, j'aimerais voir un peu l'éclairage de nuit, mais bon, je peux pas y faire jour. Ça a l'air beau en tout cas de nuit. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ont quelques doutes, il faut savoir que là, c'est un 4 roues motrices, hein. Mais un 4 roues motrices intelligent, au niveau du. Lorsqu'on va faire la conduite, pardon, on verra un peu cela. Ah, petit détail aussi au niveau du design. Je ne sais pas comment expliquer cela. Regardez la forme du phare. Le phare devrait pour moi se limiter à là, mais ils ont continué jusqu'à ce niveau-là. Je suppose des détails du design, mais bon, ce côté-là ne s'allume pas, bien sûr. C'est juste là qui éclaire toute la partie avant de la voiture. Mais c'est assez stylé, je trouve. Et en plus, sur le capot, on constate des sortes de nervures. La première fois que j'avais vu ça, c'était sur les SLK, les toutes premières SLK de Mercedes. Et aussi les ML, premier ML restylé. Premier ML320, bien sûr, de Mercedes en restylé. Et j'aime bien ces nervures-là. Ça lui donne un semblant de côté agressif.
Et niveau design encore, on a ce plastique là sur les deux côtés de la voiture. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je trouve pas ça très beau, mais bon, il lui donne un petit côté baroudeur. Mais bon, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Maintenant à l'arrière, comme je le disais, cette voiture, je pense que son gros avantage c'est l'espace. Désolé du petit bordel qu'il y a. L'espace à l'arrière, c'est vraiment pas négligeable. Là, ah, j'oubliais, on a des sorties de clim aussi pour les passagers à l'arrière. C'est sympa ça. Et une prise encore, là, je ne sais, 12 volts, je suppose. On a une autre prise là. Pour les passagers à l'arrière, tu pourrais utiliser cela pour charger ton téléphone, quoi. Et ah, je constate aussi qu'on a pas mal de places de rangement. Là, je suis à l'arrière. Bon. Ça c'est logique, des places de rangement encore là et on est vraiment à l'aise quoi. Regardez, j'ai le bon, je suis pas bien assis, j'ai pas envie de salir l'intérieur de la voiture vu qu'on est sur un endroit pas bitumé, mais déjà là on constate que j'ai de la place quoi. Ah ouais, ça c'est moi, j'appelle ça signature Ford. C'est avec Ford que j'ai découvert ces trucs là, les histoires de code que tu mets pour verrouiller ou déverrouiller ta voiture. Maintenant, on passe à l'intérieur. Ce que je constate à l'intérieur, déjà le volant, vous auriez pu faire mieux, hein. Du plastique dur. Par contre, volant 3 branches, et la voiture est assez maniable, souple, je m'y attendais pas. On a des commandes au volant, comme on peut le voir ici, qui permet de gérer tout ce qui est ordinateur de bord. Là, on a le régulateur de vitesse. Là, tout ce qui est volume, multimédia et au cas où tu as le téléphone. Ici, verrouillé, déverrouillé. Les commandes des vitres électriques, commandes des rétroviseurs, bien sûr. Commandes des phares. On peut toujours les mettre en position automatique, même, ou les laisser en off. Anti-brouillard. Là, je ne sais plus c'est quoi au juste, mais bon, je vais me rappeler. Ouverture du coffre. Un instant. Ah, j'oubliais, merde, le coffre n'est pas électrique. Par contre, je m'attendais à mieux au niveau de l'écran, franchement. J'ai vu sur Internet quelques versions qui avaient un écran un peu plus grand que ça, mais je m'attendais à mieux. Et aussi, toute cette partie-là, je trouve assez accessible à la main, bien sûr, hein. Et en bas on a tout ce qui concerne la climatisation. Nous sommes, comme on le constate, une boîte automatique. Nous sommes sur une boîte automatique, comme on le constate, 6 rapports. 6 rapports, c'est déjà pas mal. Et toujours concernant la boîte, on a des palettes au volant. Et je ne sais pas si on arrive à les voir. Ce que j'aime bien, les palettes sont toutes petites. Ouais, on les sent à peine. C'est sympa d'avoir pensé aux angles morts sur le rétroviseur là. C'est très pratique. Et à l'intérieur, on a beaucoup de places de rangement. Ça, c'est pour moi, c'est un détail qui donne un plus à une voiture, quoi. À l'achat d'une voiture. J'ai d'abord un instant. Là, là, ici, là encore. Bon, il faut savoir qu'on n'a pas le chargeur par induction. Hein. On a une prise USB. Ça. On a des places de rangement au niveau des portières, bien sûr. Passagers et conducteurs. On a des places de rangement là. Et là encore. Et là encore. Regardez comment c'est profond là. Pour moi, ça c'est un gros point, les places de rangement. Désolé si l'objectif balance tout le temps comme ça, mais bon. Il y a quelqu'un qui m'a cassé le stabilisateur et j'en ai plus. Mais dans tous les cas, je compte en racheter pour pouvoir bien faire mes vidéos. Petit rangement pour les lunettes. L'éclairage à l'intérieur, bon, n'est pas super fameux. Hein. J'aurais aimé avoir le toit ouvrant, mais dommage, c'est pas bien grave. Maintenant, on passe au démarrage. Ouais, cette petite mélodie de Ford, typiquement Ford. J'aime pas tourner, bon. Tenen, table de bord, pour moi, simple et
simple et beau quoi. Même bizarrement, j'ai l'impression que c'est les mêmes tableaux de bord qu'on voyait sur tout ce qui est Ford Fiesta, sur tout. Mais en tout cas, comme je le dis, il est simple et pour moi en tout cas, il réunit tout ce qu'il faut pour. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une voiture 4 motrices, mais apparemment, une version 4 motrices intelligente. On constate là, intelligente, four-wheel drive. Là, j'ai démarré la voiture, on est à moins de 1000 tours minute, moteur très silencieux. Et je vais vous montrer comment le volant, il est souple, je ne sais pas si on peut le constater. Ford Escape, c'est parti pour une petite séance de conduite. Comme je le disais tout à l'heure, le volant. Ah, merde, ceinture de sécurité. N'oubliez jamais ça, la ceinture pour plus de sécurité. Comme je disais tout à l'heure, le volant il est très léger. Je vais essayer une petite accélération pour voir. Je ne sais pas si ça va s'entendre. Tout à l'heure, nous sommes sur un 1,5 litre, il ne faut pas lui demander grand chose. Le moteur il est petit à sa façon, il fait juste le nécessaire. Donc, niveau de conduite, le volant réagit très bien. Ça, par contre, ça m'étonne. Je ne m'attendais pas à cela, il réagit très bien et très vite. On se fait une petite accélération pour voir sa réaction. C'est pas mal, il réagit normalement. C'est pas une foudre de guerre. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes sur un volant 3 branches avec des palettes au volant, mais je m'attendais pas à quelque chose. Concernant les palettes, je constate que c'est facilement maniable avec seulement lorsqu'on est en mode sport. Donc là, comme on le constate, je suis en D, qui est le mode normal. Je bascule en mode sport, automatiquement le régime change. Moi j'appelle ça un semblant de mode sport, hein, mais bon, au moins le régime change et je bascule sur la palette maintenant. Je suis en troisième. Vous voyez, en seconde, le régime change. Je reviens en troisième. J'essaie d'accélérer encore et je passe et je passe encore. Voilà, je vais revenir en mode normal. Juste montrer déjà dans un premier temps comment ça fonctionne un peu avec la palette sur cette voiture-là. Ce que j'apprécie, la palette est toute petite. On ne sent même pas. Toute petite et fixée au volant. C'est encore plus pratique, quoi. Et je le disais tout à l'heure, nous sommes sur un 4 roues motrices, mais 4 roues motrices intelligentes. Là, au fur et à mesure, je pense que tout dépend de la position de la voiture. Au fur et à mesure que j'exerce une certaine pression sur l'accélérateur, on constate que il y a un certain voyant au niveau des roues, soit des roues avant, soit des roues arrière. Là, je touche légèrement l'accélérateur. On constate qu'à l'avant, il y a une légère pression qui se fait. On se fait une petite accélération, je vois la différence. Voilà, vous voyez. Du coup, à l'arrière, il s'active de façon intelligente. Et je pense que c'est assez pratique. Tu n'as pas besoin de chercher à savoir si tu as le choix ou pas au niveau de la motricité des roues. Par contre, j'avais même pas remarqué. Là, les phares sont allumés parce que, bon, comme on le constate, il pleut. Et il a dessiné le véhicule là avec les phares allumés. C'est bien quoi. Comme je disais tout à l'heure, le tableau de bord il est simple. J'ai l'impression d'avoir une Ford Fiesta. Il est tout simple, mais il te retranscrit l'essentiel des informations dont tu as besoin. Petite caméra de recul. Et franchement, la caméra elle est super petite. Je ne voulais pas dire l'écran est super petit. Petit. Je trouve c'est un peu dommage. Bon, là, petit ordinateur de bord. Assez sympa, je trouve. Il te donne juste l'essentiel, l'autonomie, le trip A, le trip B, instant fuel eco, je sais pas ce que c'est ça. Ah, ok, c'est une sorte de mode eco en fonction de la pression que tu exerces sur l'accélérateur.
Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouais, trip A, trip B. Donc bref, petit ordinateur de bord. Ah, il y a même, malheureusement, la vitesse est en miles. Bon, j'allais dire, il y a même la vitesse qui est affichée de façon numérique, qui n'est pas mal du tout. Petite accélération. On peut le constater depuis quelques années, Ford utilise cette nouvelle calandre, une calandre style trapèze. Et j'ai envie de dire, depuis un moment, ça fait partie de la nouvelle signature de Ford quand même. C'est pas mal. Donc, merci au propriétaire qui nous a passé cette voiture-là pour ce petit essai, malgré ce temps assez merdique, j'ai envie de dire. Mais bon, merci à lui de nous avoir passé la voiture pour l'essayer. Le véhicule, il a un bon gabarit, surtout pour nos routes africaines où il y a pas mal de trous et tout. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette voiture-là. Je pense qu'il est un bon concurrent de tout ce qui est RAV4, Tiguan et 3008 aussi. Je pense que le 3008 est son concurrent direct, sauf que lui, il est déjà en 4 roues motrices. Il est vraiment, vraiment pas mal. Je ne sais pas pourquoi il ne marche pas trop ici d'ailleurs. Je n'en vois pas tellement sur nos routes. Mais bon, je pense qu'on est habitué à voir tout ce qui est RAV4 et 3008. Ça doit être tout cela. Là, je passe à son mode sport en griffe, voir un peu sa réactivité. Je ne sais pas si le bruit va s'entendre au téléphone. Lorsque tu veux passer aux palettes et tout, je maîtrise pas trop la réactivité, mais je pense que c'est un peu déstabilisant. Mais bon, on doit s'y habituer. Comme je le dis, faut savoir, c'est pas une sportive. Elle fait l'essentiel qu'il faut faire et puis bon. Bizarre, la voiture est quand même assez maniable. Je m'attendais pas à ça. On avance encore. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette voiture-là. Petit Ford, petite façon de parler, par son moteur mais pas par ses dimensions. Dites-moi ce que vous pensez de ce Ford Escape, surtout là, bon, nous sommes en version SE et on verra bien. Mais pour ma part, je lui donnerai comme conclusion, c'est un 4 roues motrices, n'oublions pas ce détail-là, mais j'ai envie de dire, c'est un SUV de ville. Tu t'emmènes pas trop avec le véhicule. Et je le disais tout à l'heure dans la vidéo, dans le début de la vidéo, la voiture est pour moi vraiment spacieuse. Il n'y a pas niveau espace. Celui qui se plaint, c'est que vraiment il exagère. Il demande un peu trop. Parce que là, pardon, je suis à une aise vraiment pas possible. Et encore, je constate que la voiture, comme je le disais tout à l'heure, elle est assez maniable. C'est pas, les suspensions sont pas fermes, mais c'est pas aussi mou. J'ai envie de dire, c'est à la limite entre une voiture allemande qui a souvent les suspensions assez fermes et une voiture très américaine, souvent qui est un peu trop bateau. Là, c'est la limite, quoi. Je pense qu'ils ont essayé d'européaniser un peu ce nouveau Ford Escape là. Bon ben, la famille, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était une présentation rapide, vraiment, j'espère vraiment rapide, du Ford Escape. Escape SE, le petit 1.5 EcoBoost. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette voiture et à la suite pour d'autres vidéos. Ciao.